Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous partagerons avec vous deux captures d'écran révélatrices, deux articles qui illustrent sans doute l'obscurité qui s'est emparée du régime totalitaire de Denis Sassou Nguesso. Pas un seul jour, la famille Sassou Nguesso n'a pas fait la une de l'actualité internationale. Un nouveau scandale se profile à l'horizon pour Christelle Sassou Nguesso, qui est soupçonné d'avoir blanchi la bagatelle somme de 19 millions d'euros, nous révèle un média français. Dans le deuxième article que nous avons pu récupérer sur les médias sociaux, nous apprenons que la Grande Loge du Congo aurait été victime d'un cambriolage. Une somme de 350 000 euros aurait été emportée. Nous pensons qu'il s'agit d'un règlement de compte entre les frères de Lumière. Si le vol s'est introduit au sein des temples maçonniques, il n'y a plus rien à y faire. Derrière un scandale financier, un assassinat politique, se cache toujours un ou plusieurs francs-maçons.